Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve pour les tirages astro sentimentaux. On va faire les scorpions, signe ascendant lunaire solaire. On va le faire un peu différemment de d'habitude, comme d'hab, vous savez que j'aime bien changer. On va aller prendre un message général pour vous les scorpions. Donc j'ai pas pu vous faire les tirages plus tôt parce que j'étais malade comme un chien, voilà. Je me suis fait une belle angine rouge, c'était sympa, j'étais bien contente. Je suis sur la fin, ma voix n'est encore pas au top, mais je pense à vous. Alors les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, au niveau sentimental pour le mois d'octobre, quel est le message général pour vous les scorpions? Est-ce qu'on peut me faire sauter une carte, s'il vous plaît? Une, pas 12. Ah ben c'est celle-là. Ouh, l'amour en destinée. Destinée. On était tous les deux destinés. Elles sont belles ces cartes. L'amour en destinée. Ça me parle de la bonne personne quand même. Il y a une destinée, il y a un destin au niveau de l'amour. Les beautés secrètes. Voilà, peut-être une relation qui va être secrète au début. Ok, ça c'est les cartes générales. On va aller voir ça, puis on remettra dans le contexte avec le tirage. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Donc pour les flammes jumelles, ça vous dira où vous en êtes de votre parcours. Voilà. Pour les scorpions. Hein. Donc si vous regardez pour votre autre qui est scorpion, c'est où lui en est dans son parcours. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas en relation de flammes jumelles, ça va nous donner un peu un panel, une information générale. Quelles sont les informations au niveau sentimental, les énergies qui gravitent autour de vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre là? Mes êtres de lumière, mes anges. La réunion. Magnifique. Donc, bien sûr, on n'est pas tous en relation de flammes jumelles, on n'attend pas tous un autre, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la réunion? Pour les flammes jumelles, bon, bah, voilà, votre autre, il pense sacrément à la réunion, ou vous, vous pensez sacrément à la réunion. Tiens, j'ai le féminin sacré. Autant pour moi. Ouais, vous voyez, je suis encore pas au top. De manière générale, ça nous parle de réunir son féminin, son masculin, et ça me parle vraiment de se réunir avec la bonne personne. Là, j'ai l'impression, les scorpions, que ce mois d'octobre, vous êtes poussés vers la bonne personne pour vous, en fait. Que vous l'ayez déjà rencontré, pas déjà rencontré, vous allez pouvoir régler certaines choses à l'intérieur de vous, certaines énergies, certaines... Il va y avoir des déblocages, et ça va vous faire mettre un pas vers la bonne personne, voyez, vers cette réunion. C'est comme s'il y a un couple qui était prédisposé à exister, quoi. Vous êtes réservé, on a posé un veto sur vous, les scorpions. Vous n'avez pas de choix, vous n'avez plus de libre arbitre. C'est une blague. Ah, ça va, c'est de l'humour. On a toujours le choix, on a toujours un libre arbitre, mais il y a vraiment une... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vibre à la même hauteur que vous, qui est faite pour vous, et vous êtes emmené dans ce mois d'octobre à aller vers cette personne. Hein. Donc avec les tarots pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages s'il vous plaît? Le 4 d'épée, on met un mental en pause là. J'ai l'impression que stop, on se met en pause, on se repose. Il y a cette notion de se reposer, de prendre du temps pour soi, de pas trop réfléchir, de pas se prendre la tête en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête avec toutes ces conneries, c'est bon quoi. Je me repose, je mets mon mental en pause et je me mets en pause de surcroît. Ouais, parce qu'il y a quand même un 9 d'épée derrière. Donc le 9 d'épée, ça tourne. Alors vous allez osciller, il y a beaucoup de mental là, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous prend la tête en fait, qui vous empêche de dormir, vous n'êtes pas bien. Voilà, sur ce mois d'octobre, il y a un peu quelque chose comme ça. Et en même temps, beaucoup de fatigue, vous êtes fatigué, il y a une fatigue mentale, peut-être parce qu'on réfléchit trop. Donc on va vouloir... On va osciller entre stop, j'arrête, je laisse tout de côté, je réfléchis plus là, je me laisse guider, je lâche prise et tac, retour à ouais, mais je réfléchis, mais quand même. Alors pour certains, c'est vraiment que vous êtes en relation de flamme jumelle et votre autre, ça vous prend la tête en fait. Hein. Voilà, clairement, c'est ça. Pour d'autres, vous vous demandez s'il y a quelqu'un pour vous, qui est fait pour vous, si un jour vous serez heureux en amour. Voilà, et puis des fois, vous en foutez complètement. Vous voyez, ça oscille entre les deux. C'est très fluctuant pour vous là, les scorpions, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les scorpions pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? La joie.
On a quand même la joie qui revient, le partage dans le cœur, partagé avec d'autres personnes. Ça me parle d'amitié, ça me parle de sortie, ça me parle de passer des bons moments, vous voyez, pour sortir un peu de la tête et aller dans quelque chose de plus léger, de plus dans le cœur. Tiens, j'ai un 3 d'épée qui sort aussi. On a des blessures d'âme. Certains scorpions, là, vous avez été blessés. Il y a cette notion de j'ai l'impression qu'on vous force à sortir d'un mental et qu'on vous... La seule carte que vous avez de vraiment positive, c'est vraiment le 3 de coupe. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que là, on a une relation de destinée et on a la réunion. Donc là, on... ouais, vous voyez, vous êtes poussé à faire une introspection avec le 8 de coupe. On vous pousse à faire une introspection, à revoir des blessures d'âme, peut-être des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, des histoires du passé. Il y a cette notion d'être beaucoup dans le mental, on se prend beaucoup la tête là au niveau sentimental. On a besoin de repos, on sait qu'on a besoin on a besoin de poser les choses. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour dépasser une situation et que vous avez la force d'y arriver. Bon, on va quand même aller voir avec avec l'oracle. Je suis curieuse de... curieuse d'aller compléter pour vous. On a beaucoup, beaucoup de mental pour un tirage sentimental quand même. Puis, il y a des blessures d'âme, il y a des... J'ai l'impression que vous traversez quelque chose de pas facile. Alors, au niveau... sur le mois d'octobre, bon, c'est le mois des relations et des... Voilà. Donc, c'est normal que ça bouge aussi beaucoup. Hein. Sur le 4 d'épée, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait me donner des précisions avec les oracles? Ah ouais, regardez. J'ai deux cartes qui tombent. J'ai la réconciliation et j'ai la crise, voyez. Donc, il y a vraiment cette notion de... peut-être que vous vous réconciliez avec une personne, puis derrière, ça repart en crise. Ou est-ce que je me réconcilie ou pas? Pourquoi je me suis réconciliée avec cette personne? Pourquoi ça me prend la tête? Vraiment, vous vous prenez la tête, là, les scorpions. Mon Dieu, cette prise de tête, justement, sur le 9 d'épée, là. J'en aimerais une, s'il vous plaît. On se prend la tête sur quoi, là? Moi, j'aimerais comprendre sur quoi les scorpions, ils se prennent la tête, là. Vous êtes peut-être trop rigide, vous manquez de souplesse. Alors, certains, vous êtes trop souple, trop sympa, trop cool. Pour d'autres, vous êtes trop rigide, vous manquez de souplesse. Elle est vraiment à prendre... Alors là, vous prenez ce qui vibre en vous, hein, vraiment, hein. Ouais, il y a quelque chose, on a besoin de remettre de la douceur, de remettre d'aérer tout ça un peu, vous voyez. Il y a une situation vraiment au niveau sentimental. Alors, soit c'est dans vos ex, soit c'est une personne qui vient à vous et j'en sais rien, moi, elle est engagée ou il y a un truc qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ouais, il y a beaucoup de fragilité, hein, vous aussi. Hein. Comme les Capricornes, vous êtes fragile là. Vous avez besoin de prendre soin de vous et vous avez besoin de vous reconnecter à vos amis, à voilà un échange. Il y a peut-être pour certains, c'est une triangulaire. Hein. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire et ça vous prend la tête en fait. Soit vous avez quitté votre autre parce qu'il vous trompait, vous vous demandez si vous vous réconciliez ou pas, est-ce qu'il faut que vous soyez souple ou pas, voilà, et vous allez avoir besoin de vous retrouver un peu dans votre univers. Pour certains, c'est ça, parce que vous avez été blessé. Hein. Vous avez été vraiment blessé pour certains. Pour d'autres, si ce n'est pas une triangulaire, c'est que, ouais, vous voyez, parce qu'il y avait de l'amour. Hein. Voilà. Faut que vous reconnectiez aussi à votre cœur, à cet amour à l'intérieur de votre cœur, l'amour inconditionnel de vous-même. Il y a besoin de guérir, là, les scorpions, sur ce mois-ci. Alors, ça peut être un ex. Ça peut être votre conjoint. Ça peut être... des ex, ça peut être pas forcément une triangulaire, mais une trahison, quelque chose qui vous a blessé, vous voyez. Moi, là, je ressens vraiment, par contre, que... voilà, cette notion de se poser la question. Est-ce que je me remets avec ou pas? J'ai été blessée, trahie, qu'est-ce que je fais? Voilà, comment vous vous aimez, vous allez avoir besoin de faire le point à l'intérieur de vous, là. Ouais. Il y a une notion de self-intérêt, peut-être une personne qui était avec vous pour l'argent. Ou vous qui vous demandez si vous partez d'une situation pour l'argent. Ou une personne, vous vous rendez compte qu'elle a été attirée par vous, mais que pour votre argent. Vous voyez ? Il y a cette notion de bien matériel, de financier qui se met là où ça n'a rien à foutre dans l'amour, quoi. Regardez, il y a quand même un coup de foudre qui arrive à vous juste derrière. Hein. J'ai l'impression que c'est une épreuve qu'on vous a mis pour que vous la traversiez pour aller vers quelque chose d'autre, en fait. Hein. C'est pas facile, hein. Bon, j'aime bien donner des messages sympas tout le temps, mais pas tout le temps.
C'est pas facile, mais n'empêche que ça nous parle de réunion et ça nous parle de l'amour en destinée, donc d'une relation qui est destinée. Peut-être que vous étiez destiné à vivre ça pour apprendre le pardon, hein, pour certains c'est ça, ou pour vous choisir vous. Voyez, lune, spiritualité, les intuitions, être à l'écoute de soi le mois à venir. Ben, c'est vraiment ça. Va falloir vous écouter parce que là, il faudrait que vous réussissiez à sortir d'un mental pour aller plus vers votre cœur. Ouais, la femme, regardez. Alors, vraiment, hein, soit c'est une autre femme qui vous met dans ces énergies-là, soit c'est vous qui êtes trop dans le mental, qui manquez de légèreté, voyez. Faut être plus flexible, plus souple, plus... voilà, vous vous posez la question si vous devez être flexible et souple. Voilà, attendre. Il faut patienter encore un peu. Il y a cette notion de rester patient, de prendre le temps de guérir aussi, de prendre le temps d'aller mieux, de prendre le temps de se retrouver avec ses amis, de se reconstruire. J'ai l'impression là vraiment, les scorpions, vous avez besoin de vous reconstruire. Beaucoup de sensibilité qui émerge et vous avez été blessé, quoi, vraiment. Regardez. Vous avez des amis qui sont sincères et qui vont vous aider à vous reconnecter à votre cœur. Vraiment, il y a une notion d'intégrité, de fidélité. On vous dit d'être fidèle aussi à votre âme, à votre cœur, à votre amour. Des fois, on dit il faut pardonner, pardonner. Oui, moi j'ai pardonné plein de personnes, c'est pas pour autant qu'elles font encore partie de ma vie. Parce que je m'aime assez pour pas accepter ça, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. On n'a pas à être sacrificiel non plus, vous comprenez? Regardez. Un couple, une union, un contrat de mariage en l'air. Donc il y a quand même des engagements qui arrivent derrière. Une belle relation. Le fait de s'engager pour soi aussi. Hein. Il va y avoir beaucoup de lumière après, vous voyez. Il y a quelque chose peut-être de karmique qui doit terminer là pour vous. On va aller voir ce vers quoi vous allez là pour ce mois d'octobre, les scorpions. Vers quoi vous allez, les scorpions? J'ai encore la trahison. Hein. Mais je suis navrée. Hein. J'aimerais bien vous passer d'autres messages. Je veux dire, tout est pompé up dans le meilleur des mondes. Mais là. J'ai deux fois un 3 d'épée, quoi. Donc, clairement, ça me parle de trahison. Soit vous allez vous rendre compte d'une trahison, soit vous vous en êtes rendu compte, vous êtes en train de digérer le truc, soit vous avez été trahi et vous n'arrivez toujours pas à digérer le truc. Et voilà. Et on vous dit que là, il est temps aussi de bouger de ses énergies, de prendre le temps de guérir tout ça, de poser un peu votre mental et d'aller vers l'amour de vous-même, de sortir de cette crise-là, d'écouter vos intuitions, de vous reconnecter à vous pour sortir de ces énergies-là, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend derrière, en fait. Et pour moi, vous faites vraiment cette introspection. J'ai la solitude, ouais. Le fait de se sentir seul, se sentir démuni, se sentir... on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien, les scorpions. Alors, vous me direz en commentaire. Hein. Moi, j'aime bien savoir, les loulous. Hein. L'enfant, besoin d'ancrage, besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a peut-être une notion d'enfant dans un couple aussi, hein, qui nous retient dans une position sacrificielle pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment s'ancrer dans ces choix qu'on pourrait faire étant enfant. Quand on est enfant, on n'a pas de barrière, on veut être cosmonaute, on s'en fout des études, de tout ça. On sait ce qu'on veut faire en fait et on y va, voyez? On s'en fout que ce soit bien vu par la société, qu'il y ait des études longues ou quoi. Non, on est parce que dans l'énergie, on fait tout ce qu'on veut et on le sait. Voilà, et on y va en fait, voilà. Il y a cette notion de qu'est-ce que vous voulez en amour aussi? Qu'est-ce que mon cœur, comment mon cœur vibre? Qu'est-ce qu'il veut? Et ça va passer par les amis. Ça va passer par les amis, ça va passer par vous retrouver dans votre cocon de personnes qui vous sont fidèles et sincères. Voyez, vous savez que ces personnes ne vous ont jamais trahi, elles ne vous trahiront pas en fait. Pour un peu vous retrouver, vous, voyez. Il y a des blessés, injuriés, il y a des couples, il y a des personnes, c'est lourd, hein, c'est compliqué. Hein. Vous êtes peut-être remis face à tout ça pour en sortir. Vous voyez, pour être plus équilibré, vous avez besoin de sortir ça. Ouais, c'est ça. Sortir de la peur aussi. Il y a une peur aussi pour certains. On a le voyage, vous voyez, l'ouverture d'esprit, s'ouvrir, aller plus loin, sortir de la peur un petit peu, de la colère, des secrets. Il y a besoin d'en mettre de la communication là. Ça va être plus serein après. Mais là, pour l'instant, c'est encore un peu lourd. Je vais aller compléter un peu avec le dizzy avec vous. Ouais, vous voyez. Il y a une personne qui est rusée autour de vous. Vous avez besoin de trancher dans une situation là.
ça peut me parler de runner hein, pour certaines relations de flammes jumelles. Hein. Vous allez faire de la lumière par rapport à tout ça. Vous allez y voir plus clair. Hein. Il y a la lumière qui revient, d'accord? On vous dit que vous êtes guidé. Ne pensez pas que vous êtes seul, on vous dit que vous êtes guidé aussi. Hein. Les étoiles sont là. Il y a une notion aussi de je ne sais pas pourquoi, de regarder les... Regardez le ciel, ça parlera qui ça parlera. Regardez, j'ai encore l'ancrage et l'anneau hein, derrière. Donc, ça, vraiment, vous allez vers cet anneau, vers cette union, vers quelque chose de très beau. Mais avant, j'ai l'impression qu'il faut nettoyer toute cette merde-là. Soit mettre fin à une relation, soit pardonner, repartir sur de nouvelles bases. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut nettoyer là, vraiment. Hein. On va aller prendre avec... les portes magiques de l'univers. On va aller voir quel est le message, quel est le conseil, le message pour vous les scorpions au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Le reflet intérieur. Unique et original. Vous êtes un reflet de l'âme du monde. Bah putain, ouais. Un reflet de l'âme du monde en ce moment. Nos âmes, elles sont pas au top, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte? C'est encore la carte 42, décidément. Moi, il faut que j'aille voir là. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être, hein, en d'autres decks. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes guidé et vous êtes guidé pour sortir d'une relation. Regardez comment vous êtes. Des fois, il faut se regarder dans le miroir. Voyez, quand on n'est pas bien dans une relation, ou qu'on a souffert d'une relation, il va y avoir des maux physiques, des pertes de poids, des prises de poids, des cernes, on perd ses cheveux. Ça peut aller jusque-là, vraiment, quand on est mal, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de se regarder tel qu'on est. Est-ce que le reflet qu'on a dans ce miroir nous plaît? Est-ce que cette situation nous plaît? Alors, ça peut être pour se séparer d'une personne qui ne nous correspond pas. Ça peut être pour arrêter d'attendre une personne et arrêter d'être sacrificiel. Ça peut être... pour se retrouver soi-même et savoir ce qu'on veut vibrer. Ça peut être pour arrêter d'être dans la douleur du passé et tourner la page vers un présent. Et il y a vraiment cette notion d'introspection, vous voyez. Vous allez faire cette introspection sur ce mois d'octobre pour savoir qui vous êtes. Est-ce que ça vous correspond ou pas? Qui vous voulez être? Aller vers cette personne que vous voulez être et attirer vraiment la bonne personne à vous. Et c'est un gros travail qui se fait, mais qui va être vraiment très productif pour les mois à venir. Voilà ce que je ressens pour vous, les scorpions. Enfin, j'espère que ce tirage vous a plu. Je sais que c'est dur, hein. Je ne vous annonce pas des trucs pompés d'op. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Vous pouvez être scorpion, pas du tout dans ces énergies, et c'est ok, c'est que ce tirage ne vous correspond pas. J'ai plein d'autres collègues qui font des tirages, n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas, voilà, les messages que j'ai sur ce tirage, ils sont très clairs. Donc, ceux à qui ça parlera, beaucoup de courage, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des commentaires surtout pour me dire bah, voilà, où vous en êtes, voilà, parce que ça a l'air d'être assez lourd. Je vous embrasse fort et puis je continue mes petits signes astro. Bisous.